Pas. Ça y est, Bon. c'est bon. Bon. Eh bien, quand je suis rentré du service militaire, Et où est-ce que tu étais au service militaire? j'avais été appelé au Mans. Donc ça s'appelait Camp d'Ovoure. Hein? Au camp d'Ovoure. Non, 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 c'est pas au camp d'Ovoure. À la caserne de Chanzy. À Chanzy. Voilà. À la caserne de Chanzy. J'avais été 3 mois à la caserne de Chanzy. Et après ça, il m'avait envoyé dans le camp de Mecon. Pourquoi? Parce que quand j'étais à la caserne de Chanzy, là, ils me demandaient si j'avais mes permis. Alors, je leur avais dit que j'avais eu mon permis. Touriste. Oui. Et le poids lourd, je les ai eu le même jour, à Ernée. Ah. Et quand je lui ai dit ça à la caserne de Chanzy, là, il m'avait envoyé au camp de Mecon pour apprendre à des jeunes pour le... À comme auto-école. Oui. Parce que c'était rare, là, dans ce temps-là. C'était en 1947. Mmh. Tout le monde n'avait pas le permis ni les poids lourds. Hein. Mmh. Alors. As-tu été appelé à la guerre d'Algérie? Hein? As-tu été appelé pour la guerre d'Algérie? Ah non, non, non. Pas du tout. Ah non, 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 non. Non, non. Donc tu as connu Marie-Louise à la sortie du. Tu la connaissais avant? Qui ça? Marie-Louise. Mais... La Marie-Louise, là? Oui. Non. Oui, tu... Pas dans ce moment-là. Tu... Non, mais je vais te dire. Quand je rentrais du service militaire, j'allais me promener le samedi ou le dimanche, j'allais me promener avec le grand Jules Dehaye, avec mes conscrits, quoi. Et un coup qu'on était chez les filles de l'air de la Vaubrie, là, il avait des copines qui vinrent chez la Vaubrie. Puis il y avait deux belles filles qui étaient là, et dans l'entrefait de ça, je l'avais revu plus tard, et j'avais causé pas mal. À Marie-Louise? Oui, à une de ses filles. Oui, ses... pas à mère, pas. Non, 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 non. Ah non, c'était en une autre. Oui, oui, oui. Des filles qui étaient à la valeur. Alors, de temps en temps, j'allais la voir. Je ne l'avais pas dit à mes parents que j'allais la voir. Mais il y avait mon beau-frère, le Auguste Chaponnet, là. Il allait faire de la goutte chez ces gens-là. Et ça se trouvait connu que le patron de la ferme, là, il dit comme ça, mais tiens, on a un appelé l'Estat. Il vient souvent, souvent avec la même copine de mes filles. Ah bon? Ça reste comme ça. Puis le gars s'est dit, c'est mon beau-frère. Ah bon? Alors, ça se trouve que nous, le gars japonais, il dit pas le malheur de dire ça mes parents. À ma mère que j'allais voir une fille à Lévaret. À Lévaret. Et ma mère, elle avait demandé à certaines personnes si ces gens-là, ils étaient viables, quoi. Et les gens qui étaient dans le coin là-bas, ils n'allaient pas à la messe, ni rien du tout. Alors là, ça fut la catastrophe. Alors, elle me dit à mon coup, tu vas voir les filles de... Comment ça s'appelait? Boitin. Oui. Tu vas voir une des filles de Boitin. C'est des gens qui ne vont à Saint-Denis à Metz ni à Vep. C'est quoi pour ça qu'il faut que tu te payes? Elle dit, tant que vous en puisque j'étais arrivé du service militaire, là, il m'avait dit que la ferme elle sera pour moi. Elle dit, c'est pas une fille comme ça qu'il faut que tu prennes. Je ne m'en pas. Je dis, c'est bon. Eh bien, j'ai dit, entendu. Puis je reste comme ça 1 an, 2 ans. Puis, quand mon père et ma mère décidèrent d'aller seul à la ferme, il dit, va-t'en trouver une fille?
Alors je dis non, je dis, j'en avais choisi une. Je dis, vous ne vouliez pas ce fille-là. Je dis, si ses parents n'allaient pas à la maison, je dis, ça ne me disait pas qu'elle ne viendrait pas à la maison avec moi. J'ai dit, mais je laisse tout tranquille. Et puis, de temps en temps, on a la dompierre. Là, quand on sortait le dimanche après-midi, on a la dompierre. Mais c'est là que je dis, bon, quand. Je dis, vous allez pas faire en trouver une quand même. Bon, ben, je dis oui. Mais c'est là que je t'avais choisi. Bon, bon, attends. Oui, il y a autre chose que tu veux dire. Il y a autre chose que tu veux dire. Alors, quand je dis que je venais voir la Marie-Louise, ma mère a dit, eh bien, c'est celle-là qu'il faut prendre. Parce qu'elle dit, ses parents, ils sont à la messe tous les dimanches. Ben oui, mais c'est pas de la blague que je raconte. Elle dit, ah bon, eh bien, ça se finit, quoi. Quand elle dit ça, je dis... Ouais. Et la chasse, raconte un peu de... Les jours de chasse. Oui, comment... ça t'est venu tout le temps, depuis toujours, t'as chassé. Je commence à chasser à l'âge de 18 ans. Mais dans ces temps-là, si mon père n'avait pas été là, je n'aurais pas pu avoir le permis de chasse parce qu'on n'était majeur qu'à 21 ans dans ce temps-là. Alors, pendant 3 ans de temps, il fallait qu'il prenne mon permis. Je demandais mon permis, mais il fallait que ce soit mon père qui le signe. Bon, ça y a tort, mais... De l'artillerie, j'ai 61 permis de chasse de prix. Et là, quand je fais mon service militaire, je n'avais pas pris de permis puisque j'étais parti à l'armée. Mais quand on revenait en permission, je suis revenu dans mon année, je suis revenu 3 fois en permission à la châtrière. Et je me suis souvenu 2 coups dans le moment que la chasse est marchée. Alors, pour que j'aie le droit d'avoir mon fusil dans le champ, il fallait qu'on vienne à la mairie et c'est le maire qui nous faisait un laissez-passer pour la journée. Pas deux, pour une journée. Alors, j'étais content comme ça, si tu veux. As-tu fait le cumul de tout ce que tu as attrapé? C'est quoi? As-tu fait le cumul de tout, de tout le gibier que tu as attrapé? Oui. Dans ce temps-là, il y avait du gibier en Pologne. Mm-hmm. Ça n'est plus comme à l'heure actuelle. Dans les champs, tu trouvais des perdrix, tu trouvais des becquerels, tu trouvais de tout gibier, lapin, lièvre, sauf que du gros gibier, on n'en trouve pas. Et pourquoi il y en a maintenant? Pourquoi il y en a maintenant? Parce que, où c'est qu'il y en avait dans ce temps-là, dans les autres départements, ça y est venu. Oui, mais les gens, dans ce temps-là, Il voyait un chevreuil, il ne tirait même pas dessus, il ne savait pas. Mais vous n'en voyiez pas, si. Oui, hein? Tu n'en voyais pas, si. De chevreuil? Oui. Dans ce temps-là? Oui. Dans nos coins, il n'y en avait pas. Non, même pas de sanglier. Tandis qu'à l'heure, il y en a à peu près partout. Enfin... Et tu n'as pas du tout une idée de ce que tu as pu attraper en nombre de gibier? En nombre, dis donc. Un nombre? En quantité. Quantité de pigeons, quantité de lièvres, quantité de lapins, quantité de perdrix, de bécasses. Dans ce temps-là, on peut 7 000, 10 lièvres dans toute la saison. Mais maintenant, on a le droit d'en trouver un seul, en moyenne. Il y a des endroits qui en ont davantage. Mm-hmm. Mais là, un seul. Mais... De cette année, là, j'ai quand même coiffé 5 lapins de garonne dans le même champ. Toujours, je les tuais toujours dans le même champ. Et puis les pigeons, c'est juste à côté. Où c'est que je tenais. Combien tu n'as pas de pigeons là? Une dizaine de toi. Oui. Mais il y a 3 ou 4 ans, Yves et Piment, on avait 154 pigeons. 154. Ouais. Mais. Il a tout pensé. Bon, ça va. Je...